Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Ibu Nina di Prancis. Hari ini Ibu Nina mau pergi jalan-jalan lihat jardin botanik. Bonjour à tous. On se retrouve à nouveau avec Ibu Nina. Aujourd'hui, on est parti des jardins botaniques à Brest. Si vous voulez bien venir avec nous, allez, let's go. Kalau teman-teman mau ikuti dengan saya, mari kita lihat bersama-sama. Alors ici, nous sommes sur le site d'une ancienne carrière qui a été réhabilitée et ça a été fait avec un monsieur du nom de Jean-Yves Le Sieuf, qui était un botaniste, et qui a eu donc l'idée de transformer ceci en premier conservatoire mondial des espèces en voie de disparition. Et c'était une réussite puisqu'ils ont réussi à préserver plusieurs dizaines d'espèces sur une période de 30 années. Alors là, nous sommes... Alors ici, le site, il fait une trentaine d'hectares, hein, tout en longueur, hein, puisqu'en largeur, il fait en moyenne 100 mètres à 150 mètres, jusqu'à 300 mètres, et en longueur, 2 km. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il se trouve juste à la sortie de Brest, entre Brest et Guipava, et à quelques centaines de mètres d'Océanopolis. Et donc sur ces 30 hectares, Monsieur Le Sieuf a planté des espèces venant du monde entier. Et le résultat est remarquable. Alors ce qui est remarquable aussi, c'est que sur ce site, qui fait 100 à 200 mètres de large, il y a une petite rivière qui fait toute la longueur du site. Ici, nous sommes dans un petit coin avec des bambous magnifiques. Il y en a une quantité assez impressionnante. C'est sympa, hein? Il s'appelle comment ici? La jeunesse des pousses des bambous. Voilà les bananes kapok. Ada pisang kapok ici, di sini. Nih. Jenis botanik. Nah, nampak kan? Nah. Biasa di sini pohon pisang tidak tahan dingin. Mungkin ini bulan yang terakhir untuk pohon pisang. Alors des bananiers en pleine ville de Brest, c'est assez surprenant. Je ne sais pas comment s'appelle le jenis bunga. Tidak tahu apa dipanggil jenis bunga apa ini. Il y a pas de lien, là. Alors ici nous sommes devant une fougère arborescente de Tasmanie. Bonjour.
sculpture et des totems avec. Ah ouais? Ouais. Ini semuanya teman-teman yang di gang ini semuanya dari Tasmania, tanaman dari Tasmania. Cuaca sedikit mendung bukan di taman ini. Lebih enak kapan ada matahari. Tapi tidak apa-apa. Tidak hujan ya, kita masih beruntung. Dan lihat teman-teman, di sini sudah musim gugur. Jadi ada tanaman sudah berubah warna. Itu dulu yang daun merah, itu dulu warna hijau, sekarang sudah warna merah. C'est un lieu très reposant. Alors si vous êtes excité et puis que vous avez envie de vous calmer, ben vous venez vous promener ici. Et puis vous pouvez montrer aussi à vos enfants un des hauts lieux de ce qui a été fait pour préserver la nature. Oh, sangat indah sekali teman-teman. Di sini bisa tempat untuk istirahat, santai, tenang, betul-betul tenang pikiran datang ke sini. Ini teman-teman sepertinya terasa di Indonesia bukan? Di tempat tanam, di sawah tanam padi. Memang mirip sekali, padahal kita ada di Brest. Un peu au-dessus, en haut, on voit des serres, on ne les voit peut-être pas très bien parce qu'on est en contre-jour. Et dans ces serres, c'est l'endroit où on préserve en fait des espèces qui sont en voie de disparition, un petit peu aussi pour les préserver des intempéries et puis des gens qui seraient peut-être pas toujours très, très soucieux de leur existence. Voici ici Monsieur Le Sueff, le botaniste Jean-Yves Le Sueff, c'était à l'initiative du Conservatoire botanique, avec le soutien de l'association naturaliste Bretagne Vivante, SEPNB, de Brest Métropole, des collectivités territoriales et du ministre de l'Environnement. Voilà l'homme qui a créé ce magnifique jardin. Sur ce petit lac qui assurément nous fait croire qu'on serait plutôt quelque part en Asie que dans la ville de Brest. Hein. Ici devant, je ne sais pas si on voit très bien sur l'image, mais il y a deux cormorans là qui attendent paisiblement. Trois cormorans. Et puis des canards. Ici, il y a beaucoup d'itik, paradis itik. Ou kita bilang di paradis canard.
Ini ada itik yang lagi mandi. Itik kepala biru, kepala hijau. Oui, un canard colvert qui se nettoie tranquille là au bord du lac. Une petite mouette qui cohabite avec quelques canards colverts en une harmonie totale. Ici, il y a une équipe aussi de jardiniers qui font un travail considérable parce qu'il n'y a pas un papier qui traîne, il n'y a pas de mauvaises herbes. On ne les voit pas, c'est à croire qu'ils travaillent quand les gens, les touristes, les visiteurs ne sont pas là. Toujours est-il que c'est tenu d'une façon absolument remarquable. Oui, alors nous ne sommes pas en Océanie, mais dans le jardin du Conservatoire botanique de Brest. Il pleut, mais c'est pas grave, on est bien. Tout est tranquille, tout est reposant. On a quand même pris un parapluie, mais même sans le parapluie, on serait content. Ok, teman-teman, sampai di sini dulu video kita. Semoga teman-teman senang dengan video kita. Dan jangan lupa like, subscribe dan komentar. Oui, alors cette petite visite prend fin. Un petit like si vous avez aimé. Puis surtout, venez vous promener ici hein, pour vous détendre. Vous ne regretterez pas. Ce sera mieux que notre petit film. Vous verrez ça en grandeur nature. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Selamat. Sampai ketemu lagi. Enak. Dan sekarang sudah musim dingin. Musim gugur, tapi cuaca sudah mulai dingin. Tadi hanya 16 derajat, teman-teman.